La seule chose qui nous rassemble, nous tous, ce sont nos problèmes, ce sont les problèmes des jeunes. Je pense qu'il faut d'abord laisser de la place aux individus dans une société pour qu'elles puissent entrevoir elles-mêmes la différence et de l'accepter, et ensuite d'appliquer, de prendre en compte des instruments politiques. Pour atteindre nos objectifs, comme celui de l'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN, comme une garantie pour un avenir sécurisé sur le plan politique, économique et social. Ceci ne peut pas se faire si on n'est pas d'accord et si on n'est pas unis en tant que peuple et en tant qu'État. Nous devons donc nous sentir libres, égaux et en sécurité avec l'autre et avec soi-même. Il est plus difficile de freiner la haine et plus facile de ne respecter que les siens. Cycle de recherche et d'échange que tout le monde considère comme ici à l'ambassade de France comme exceptionnel. Exceptionnel par le thème important qu'il traite s'agissant de la Macédoine. Crise et réconciliation nationale est en effet un sujet majeur pour la Macédoine contemporaine, riche de ses diversités mais aussi de ses contradictions. La crise actuelle dans laquelle se trouve la République de Macédoine, c'est vrai qu'elle est nationale, mais elle n'est pas interethnique. Elle n'est pas de cette nature. La source de cette crise est, d'après moi, dans le libéralisme, dans l'aspect réactionnaire, dans le populisme autoritaire qui est si présent autour de nous. La manière dont nous allons nous organiser dans nos différences, dans notre État, nous incombe à nous. Pourquoi vous dites que nous n'avons pas de problème commun puisque nous vivons dans un même État? Si nous disons que nous n'avons pas de problème commun, pourquoi sommes-nous ensemble alors dans notre État? Si nous partons du concept de Robert Schuman sur le citoyen libre, il ne faudrait pas nous partager, nous diviser en lignes ethniques. Donc je suis très heureuse d'avoir pu participer à cette deuxième partie de nos échanges sur le thème de crise et réconciliation en Macédoine. Il y a une première partie engagée au mois de juin avec des échanges dans les universités, dans plusieurs universités macédoniennes sur le sujet. Et puis cette journée de conclusion ou de débat aujourd'hui qui, me semble-t-il, était très réussie à plusieurs titres. D'abord grâce à la participation de tous, en particulier de très nombreux étudiants venus de l'université de Bitola, de Tetovo et de Skopje, mais aussi de plusieurs de leurs professeurs. Et je trouve très intéressant que chacun essayait finalement de participer à cette réflexion autour des enjeux de la réconciliation en Macédoine. D'où il ressort plusieurs choses peut-être de ces échanges. La question du vivre ensemble est complexe, elle soulève des questions fondamentales quant à la citoyenneté finalement. Qu'est-ce qu'être citoyen macédonien aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut penser une citoyenneté civique au-delà d'une citoyenneté ethnique?
Et puis surtout, le lien entre finalement un processus de réconciliation et la question politique. Un processus de réconciliation a besoin pour se développer d'un cadre, d'un espace politique de dialogue qui semble difficile aujourd'hui dans le pays. Et la question du non-achèvement de la transition politique, des blocages de la transition, ont été soulevés à plusieurs reprises. Et je dirais peut-être ce qui ressort en conclusion, c'est la question de comment promouvoir la citoyenneté, l'esprit civique, comment fabriquer des citoyens macédoniens qui ne seraient pas des citoyens albanais ou macédoniens de Macédoine, mais des citoyens d'un pays, la République de Macédoine aujourd'hui, et comment replacer ces citoyens au cœur de la vie politique et les inciter à s'engager dans la vie politique aujourd'hui.